Et salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo opening en compagnie de... MrBboy45. Comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien. Sais-tu pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Ben tu vas me le dire. Non, je ne sais pas, je suis aveugle, je ne vois rien. Donc, Aujourd'hui, aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir du Reine de Glace. Mais non. Eh ben, si. C'est incroyable, c'est ce que t'as devant toi. Et c'est ce qu'il y a devant moi et devant vous. Voilà. Et c'est quoi ça alors, cette boîte? Eh ben le Reine de Glace, donc c'est du EV6, c'est du épée bouclier. Ouais. C'est à l'époque où le taux de drop était assez bas. Oui. Comparé à maintenant, oui. Puisqu'il n'y avait que des V et V stars. C'est EV6 hein, d'ailleurs, hein. Oui. C'est-à-dire qu'on n'était même pas à la moitié, il y a eu en tout 12 EV voilà. Et 12.5, donc c'est pile poil la moitié de épée bouclier, et ça date déjà d'il y a 2 ans, ça fait déjà 2 ans, voilà. Et même plus de 2 ans, hein. Là on est 2 ans et 2 mois, c'est pour te dire, ça commence à se faire vieillot mine de rien, il y a des hits magnifiques à avoir, c'est l'Europrint régale un petit peu plus quand même, oui, qu'à l'époque. Et il y a des alternatives juste folles, telles que Zeraora, Sulfura, Articodin, bref, j'en passe. Il y a du V Max alternatif. Bref, c'est un très 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 beau set. Et le numéro, le nom, pardon, des gagnants ainsi que le commentaire de la vidéo précédente qui était, me semble-t-il, soit Raging Surf, soit l'ouverture du classeur se trouve juste sous votre écran. Et pour cette vidéo, au moindre commentaire et petit like évidemment, il y aura à gagner beaucoup d'ultra, voilà, beaucoup d'ultra, c'est-à-dire 6 V ainsi que une V Max derrière, tout ça c'est de Reine de Glace, donc là, bon, on vous spoil un petit peu, mais tout ça, ça sera pour un gagnant et non 2 cette fois-ci, donc commentaire et j'aime, et ça fait extrêmement plaisir. Explique l'utilité des gants. Alors, sur l'ancien, ça a une utilité, pourquoi? Bah, ça évite d'abîmer les cartes. Exactement, les mettons rayer, du gras, des conneries comme ça, ça voilà. Des dépôts. Donc, comme ça, on les protège, et... On va dire que si la manicure de Sophie n'est pas bien, elle préfère avoir des gants. Voilà. Voilà, ce que je peux comprendre, comme ça, ça évite les critiques, ou les... tes ongles. Voilà, bah, bon, vous avez compris. En plus, Sophie fait un travail manuel, pour le coup, très minutieux. Voilà. Donc, bah, forcément, des fois, elle s'abîme les mains au boulot. Combien de boosters alors? Excuse-moi. Pardon, donc nous avons ici 36 boosters. 36 boosters, donc on va avoir du boulot pour ouvrir tout ça évidemment. Il y a donc 5 artworks différents dans cette série Reine de Glace. Sophie, de gauche à droite, c'est à toi. Nous avons Élector de Gala, Articodin de Gala, Sulfura de Gala, Silver Roi du froid. Du froid, exactement. À savoir que Silver Roi, c'est pas le nom du cheval. Non, c'est le petit bonhomme. C'est le petit bonhomme, parce qu'en fait, c'est deux Pokémon. Tu sais comment il s'appelle, le cheval? J'ai un trou. J'ai totalement oublié aussi. Donc, on verra si on l'a en carte à ce moment-là. Une VMAX alternative, je dis pas non plus. Donc, le tri, c'était 4, évidemment. Ouais. Hop, 4. Et la première, ça sera forcément une énergie. On va peut-être vous passer les Pokémon, parce que je pense que maintenant, vous les connaissez à peu près tous. Mais, voilà, on va faire vite jusqu'aux dernières. 36 boosters, mine de rien, ça reste du... boulot. Gringolem, Vivaldin, Farfuret, Farfaduvet. Non. Carnatichaud. Ah non, excuse-moi, c'est ma faute, c'est totalement ma faute. Canartichaud, 2. Gala. Ah bah ça change, tu sais pourquoi? Oui, parce qu'ils sont pas pareils, ils ont pas les mêmes couleurs. Exactement. Rongourmand. Et une... Mangriffe. Mangriffe, non holo, énergie feu. On est parti. Uniforme de survie, cimetière ancien, Lapiro, Morpheo, Coxy, Gringolem, Poulpaf. Coxy Rivers. Et Galeking. Galeking non holo. Il faut quand même le dire. Comme disait Sophie, c'est très très dur de hit sur du Reine de Glace. Je rappelle qu'une display à l'époque de EV1 à EV7, c'est à peu près 8 hits par display. Et encore, Fufu a un record. Il a fait 2 hits dans un display point de fusion. C'était terrible jusqu'à EB8, pardon, qui était point de fusion. D'ailleurs, Gardevoir et une holo. Allez, Roi Gada de Galar en holo. C'est important de préciser qu'à chaque bloc dorénavant, les holos sont
différente avec ce que vous avez vu de Flamme Obsidienne 251 et tout, le cadre est tolo, etc., etc. D'ailleurs, c'est les bords jaunes, donc ouais, les bords jaunes, c'est à l'ancienne parce que Écarlate et Violet, bon, voilà, qui est sorti en début d'année, ça a arboré pour la première fois les bords gris. Et là, c'est un holo strié en vertical et non horizontal, quand noir et blanc c'était horizontal. Est-ce que vous aimez ce type d'holo? Moi, très honnêtement, les seuls holos que j'aime, c'est les holos Galaxy. Qui s'appelle les Foil Galaxy, donc avec les petits points où on peut avoir des spirouillés et tout. Oui, parce que dans Reine de Glace, les anciens, il n'y avait pas de AR, il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a moins de hits. Il n'y avait pas de traîneur galerie, il y avait moins de hits en termes général. Les traîneurs galerie, elles seules, rajoutent 5 à 6 des fois dans les displays. Donc comme l'a dit Sophie, là ça va être compliqué. On va pas s'amuser à tous les boosters, loin de là. Ça va même être très compliqué. Donc le moindre hit, forcément, on kiffe un peu. Spirit tombe, non holo. Pour vous parler un petit peu plus technique, étant donné que je rappelle qu'on a une boutique aussi de TCG, Yamanote Shop à Montargis, pour vous parler un tout petit peu plus technique, il faut savoir que Reine de Glace a été reprint par Pokémon Company il y a de cela quelques mois. Donc les displays sont encore trouvables à 200 euros ou moins. D'ailleurs, je vous conseille très fortement d'acheter ces displays parce que Reine de Glace est une collection magnifique, il faut le dire. Et malheureusement, c'est une non-holo. Donc Reine de Glace est une collection magnifique. Et si vous avez l'occasion d'avoir du display à 200 euros au moins, foncez, ça vaut le coup. Allez, on part sur une énergie haut. Allez, Lapiro, Rouleau Céleste, Kyrelia, Kadozu, Pyroni, Watt, Scarino, Poulpaf et... Branette en reverse. Tauros en holographique. Bon, allez. Sophie, on a fait 6 boosters, toujours pas de hits. Là, il va falloir un petit peu Ouais, au moins une petite V quoi. Oui, ça va arriver, j'y crois très fort, t'inquiète pas. Surtout que. Qu'est-ce qu'il y a en fait dedans? Il n'y a pas une petite. Uniforme de survie. Chapeau pu. Tu finis jamais tes phrases. Skyno, non, bah. D'accord. Du coup, les gars, il n'y a pas de montage là, elle a juste pas fini sa phrase et flemme. Rongourmand, si, attends. Flambino. Reverse. Candine. Et Smogogo. Et Smogogo en non-holo, même si je trouve que cette Smogogo, elle est plutôt cool. Voilà. Ouais. Alors, par contre, si on a justement Silveroi de l'Effroi en VMAX alternative, ça serait très très beau. Elle est très belle en plus. Elle est très très belle, qui plus est. Mais je préfère The. Énergie combat. Corne résonante. Narcisse. Alors, Kyrelia, Loclas. Loclas, toujours magnifique, hein, les Loclas. Ah, Loclas, t'as vu qu'il y avait Luna derrière? Ah non, j'avais pas vu. J'avais même pas fait gaffe. Regarde. Mais c'est vrai que tu nous apprends quelque chose. Il y a la dresseuse juste derrière de Loclas. Très stylé. Luna. Très stylé. Mais comme on avait dit dans une précédente vidéo, Loclas, il la foire jamais. Hein. Ouais. Porygon. Ramalos. Ramalos qui est très mignon. Hein. Tauros. Ah, un premier hit doucement. Bon, voilà, bah t'as ouvert d'un coup. Et c'est. Oh! Boreas V qui a son alternative aussi dans cette Reine de Glace. Boreas V. Ah ouais, t'aimes pas? On dirait un génie. Bah, je crois que lui gère la météo, il me semble. Voilà. J'espère, Sophie, qu'on va pas ouvrir 36 boosters à vide. Parce que, comme je vous disais à l'époque, c'était très très dur. Et vous pouviez avoir une display et n'avoir que des VV max. Luna, ouais. C'est tout. Et ça, c'était horrible. Morpheo. Blizzy. Morpheo qui n'est pas. C'est une forme particulière. Ah oui. Parce qu'en fait... Ah oui. Oui. En haut de pluie. Parce que Morpheo, tu sais, il y a la version avec le petit soleil autour de lui. Voilà, il y a plein de Morpheo. Il y a le Morpheo de glace, etc. etc. Tout à fait. Je crois que tu as quelque chose, tout à fait. Dogalara. Smogogo. Polichon. Attention. Oh, Loclas Reverse. Doucement. Et... Bah, Boreas encore. Non? Tu nous l'as refait là? C'est une VMAX, je crois. Bah oui. VMAX Boreas, je dirais, non? Je sais pas. Oh, Métalos. J'aime beaucoup Métalos. Ce Pokémon, vraiment, j'aime beaucoup Métalos. Toi, t'aimes pas? C'est pas trop ton style? Non, bah moi, j'aime que les Pokémon mignons. La Métalos Star, c'était quand même quelque chose. Oh non, tu nous fais le cliché de j'aime que les Pokémon mignons. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Non, Sophie. Alors pas vraiment, parce que j'aime aussi Giratina. Moi, je le trouve quand même stylé. Et Giratina n'est pas mignon. Non, Giratina, c'est les enfers. Ouais, et pourtant, j'aime bien. Et t'aimes pas Arceus? Si, Arceus, bah oui, quand même. Bah, j'aime bien aussi le cerf que les gens aiment pas là. Le cerf que les gens aiment pas. Si, c'est un grand cerf. Xerneas. Ouais, et bah moi j'aime bien, il y en a qui aiment pas. Donc tu sais pourquoi? Bah non, la tête pas ce bagarre. Parce qu'il me rappelle. Il faut me le dire. Il me rappelle un peu le cerf dans La Princesse Mononoké. D'accord. Non. Je n'ai pas cette ref là parce que tu sais que je suis pas très ghibli pour le coup. Je trouve qu'il a un peu la même prestance. Donc voilà. Ok. Adria. Tu nous as régalé. Ouais. Abominable.
Ça m'a coupé dans mon truc. Rouleau persan, Pantominus, Smogo, Cas d'oiseau. Cas d'oiseau, il me fait toujours rire. Qu'un artichaut. Voilà. Porygon. Zeblit. Eh bah tiens. Zeblit. Ah non, c'est pas lui. Et c'est un Kémorse non holo. Allez, énergie foudre. Et on part sur Sophora. Les parfums. Bastien. Spectrum. Ramolos. Aspico. Poulpaf. Poulpaf. What what? Que tu n'aimes pas? Tarsal. Ouais, parce que je l'ai trop du bon gourmand. Et tu, une holographique, Pyrobut en holo, Pyrobut qui est aussi en VMAX, EV, etc., etc. Donc, je te disais, ma petite Sophie, petite anecdote. Quand j'ai re-kiffé ouvrir du Pokémon, c'est avec Reine de Glace. Et tu sais pourquoi ? Parce que à l'époque, ça s'appelait Maxi Toys. À l'époque, à Maxi Toys, j'avais acheté un tripack Reine de Glace. Et tu sais qui j'ai eu ? Brazegali VMAX Alternatif. Tu te souviens pas ? C'est ma toute première... alternative, à l'époque, elle coûtait déjà, dès que tu l'as packé, 150 balles. Et j'étais en mode, 130 euros, je crois. Et j'étais en mode, waouh, Sophie, trop bien, j'ai une carte de fou. Et depuis, je suis retombé à fond dedans. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je m'en bats les couilles. Voilà. Hashtag, je m'en bats les couilles. Galégui. Tarsal. Non, c'était très intéressant, ton anecdote. Venipat. C'est vrai que c'était une très très belle anecdote. Non, parce qu'en plus, elle était grave, elle est belle, l'alternative de... Ouais, fais genre tu t'y intéresses à mon anecdote. Non, c'est maintenant. Vrai, fais mais genre. Non. Bah, non, mais j'ai compris. En fait, t'aimes pas les anecdotes. Si, mais... Non, mais t'as un problème avec mes anecdotes. Hashtag un problème avec les anecdotes. Oh là, des blanchines, on met de côté. Allez, Coxy. Clac. Yes. Lanterne accueillante. Flambino. Polichombre. Wouchouf. Zébibon. Quillfish, j'ai la lumière, alors j'ai du mal à voir. Golemastock. Doucement. Starufret. Et malheureusement. Oh, petit holo. Les Argus qui étaient très utilisés aussi dans le TCG. Oui, bah, je le jouais avec avant. L'Arméon. C'est ouais, pas la sous-évolution. Non, l'Arméon ou l'Armaléon. L'Arméléon. T'as Arrosar avant et après c'est l'Arméon. C'est ça. C'est ça. Mis à part toutes ces anecdotes, parce que là on régale les gens en termes d'histoire, on a que deux hits, Sophie. On a que deux hits. Et ça, c'est pas ouf. Donc il va falloir qu'on performe un petit peu plus. Sophora, Spectrums, Porygon, Farfuré, Sucroquin, Blizzy, Zébibron, Fantominus. Oh, une petite V. V obscure comme ça. Oh, bah ça sent le Sulfura, ça, non ? Rwagada, peut-être ? Sulfura ? Non, tu sais, le truc qui est pas beau, là. Boreas ? Non, l'autre, qui est vraiment pas beau. Oh, putain. Ah, non ! Sulfura. Ah, tu parlais de Miasmas ? Ouais. Mais Miasmas, c'était... Sophie, c'était Évolution Céleste. Ah, oui, c'est vrai, le Mias... Miasmas. Elle est belle, celle-là. Sulfura, donc j'avais raison. Un cabot, ouais, c'est un chien, ouais, non ? Bah, donc voilà. C'est tout. Ce serait bizarre de dire le T. Non, il y en a plein qui disent Rocabot. Donc voilà. Ouais. Bah, non, dis pas ça. Oui. Coxy. Attention, Bushfours. elle... Ouais, c'était une marque allemande. Et Sucrène. Sucrène non holo. On va sur de l'énergie. Oh. Énergie chance. Le plastron de Galar. L'énergie. Elle est très belle cette énergie. Ouais. Cette énergie. Stalgama. Croquine. Wouchours. Sepiatop. Faut arrêter de tomber dessus. Hein. Topicker. Topicker, elle est mignonne finalement. Tu vois, je disais qu'il n'y avait pas de Topicker mignon, oui, mais celle-là, bah, je la trouve mignonne. Quand elles sont pas en 3D, oui. Galam. Oh, une V. Oh, bah tu sais, Elector. Moi, je dirais Elector. Oh yeah. Je les connais tellement, Burger. Elector de Galar. Bon, bah, on a deux oiseaux sur trois. Point. Mais j'ai l'impression qu'en vidéo, à chaque fois, on a tout à la fin. Oui, bah oui, quelque part c'est beau. Oui. Voilà. Bibichute. Ça force, c'est pour le watch time, ouais. Ça force les gens à rester jusqu'au bout. Polichon, est-ce qu'ils vont avoir quelque chose ? Morpheo. Voilà. Là c'est forme de bizarre. Toco. Pisco. Pisco. Et malheureusement. Loup-Garok en holo, je déteste Loup-Garok. Voilà. Il est en Gear 5, le Loup-Garok. Il est en Gear 5. Allez. Hop. Énergie Pouing. Crabominable. Docteur. Coxyclac. Farfuré. Aspico. Fait des efforts. Canard Tichot de Galar. Morpheo, forme eau de pluie. Pyronie.
Chapeautus. C'est quoi? C'est bleu. Full art. Silveroi. Non. Toxomart. Oh, Wagada VMAX. Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a une Wagada VMAX à gagner. Voilà, sachez-le. Une full art. Il nous reste à peu près un tiers du display déjà, donc 12 boosters environ. C'est compliqué là, hein. C'est très très compliqué. Mais tout est faisable, j'y crois sans aucun problème. Et je rappelle que c'est dans Reine de Glace qu'il y a la Ronflex Gold qui est trop mignonne. Bah ouais. Donc, non, mais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié les Gold. Eh oui, bibiche. Sucroquin. Et c'est une. Non, c'est Vipère. Bah oui, mais moi ça. Énergie Psy. Ouais, mais Reine de Glace ça me fait peur, moi. Co-confort. T'as bien raison. Adrial. Casque costaud. Pyroli. What? Scarino. Whistempo. Ouais. Poulpaf. Topicker Reverse. Bah voilà. Bon, Sophie, soit c'est une full art et on peut tirer la gueule, mais ça veut rien dire quand même. Soit c'est déjà une alternative. Non, là. Donc, c'est une alternative. Tu le crois, toi? Un tout petit peu, Sophie, bibiche, ma petite bibiche. Un tout petit peu. Pour l'instant, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Ah, je sais qui c'est. Oh non, ça sent pas bon. Si, c'est. Zeraora. Non. Oh non, Silveroi. Articodin. Oh non, c'est une full art. Et c'est Silveroi. De l'effroi. En full art, tu avais raison. C'est pas grave, on peut quand même avoir une alternative. Ne faisons pas la gueule. Et ça reste une belle full art, il faut le dire. Oui. Mais là, par contre, Sophie, il faut qu'on sorte une gold ou une alternative, s'il te plaît, pour sauver cette display. Il faut qu'on sauve cette display. Let's go, c'est parti, les amis. On part sur du point. Énergie point. Sephora. Spectrum. Adrial. Garnastichot de Gala. Morpheo, forme de pluie. Pyroni. L'Arméléon, bah voilà, on a notre réponse. Ouais. Flambino. Malheureusement, mais c'est une holo tout de même. Sort silence. Holographique. Et nous partons sur de l'énergie feuille. Énergie feuille, effectivement. Agatha. Rouleau céleste. But. De Dinar. Bibi chute. Galiguide. Venipat. Tarsal. Croquine. Allez, on y croit, pas cette fois-ci. Golemastock. Pas cette fois-ci. Oh là là, ça devient compliqué. Il reste 4 boosters. Allez, on y croit. Je dis ça, mais s'il n'y a rien, c'est horrible aussi. S'il n'y a rien, dites-nous en commentaire si vous voulez une revanche sur Reine de Glace, parce que je vous assure que ce set est magnifique et il vaut le coup d'œil. Donc n'hésitez pas à nous dire, on veut la revanche et on s'ouvrira une autre display. Rien à péter. Gringolet. Quillfish. Attention. Oh, c'est bon. Sophie, il ne faut pas, écoute-moi bien, il ne faut pas que ça soit jaune. Ni noir. Non, jaune. Je sais pas ce que tu dis, c'est jaune. C'est jaune. Un tout petit peu plus? Non, ça va faire du mal. C'est jaune. C'est orange. Oh non, ça veut dire que c'est une rainbow. Non. Si, c'est une rainbow. Ouais, bah oui. Non, voilà. Parce qu'en fait, les rainbows, c'est ça, en fait. Je suis content. Silveroi, le plus beau en plus. Ouais. Le plus beau, il est magnifique. Quoique l'autre est aussi magnifique. Silveroi du froid. Non, les celle-là, amis, ouais. Cavalier du froid. En alternative VMAX. On l'a pas eu, on ne l'a jamais eu, Sophie. Ouais, on n'a jamais eu, à part la Brazegali, ni les. On n'a jamais les Silveroi, en fait, en alternative. Oh, je suis très content. Alors là, suis très, très, très content. Allez, Dylan. Galégon. Qui a le nom d'un médicament. Coolfish. Ramolos de Gala. Ramolos. Aspico. Poulpaf. Pardon. C'est pas grave. Celle-ci, il faut peut-être la mettre de côté parce que... Chivours. Ouais, elle tombe très rarement. Doucement au cas où, on s'enflamme pas parce que si jamais... Ah Krakos. Bon, pas très bol. Krakos c'est... en holo. Tiens, mets de côté parce que peut-être que Lulian en aura besoin. Ouh. Oh non, je suis content. On peut souffler, elle est magnifique. On l'envoie à grader. Elle mérite, honnêtement, elle peut avoir son 10 fort. Soit on l'envoie à grader, soit on la met classeur. C'est toi qui vois, Bibi. Bah, ça dépend, tu voulais pas faire le Master Shit Lona. Non. Le quoi? Le full set. Le Master Shit.
Bon gourmand. Bah non, je pense qu'on va l'envoyer à Gradé, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Oui, Stempor. Moi, je l'avais en boîtier protégé, hein, Bibiche. Stalgamin. Quatermac. Oh, Quatermac. Oh, une petite V pour finir. Allez, ah. allez, pourquoi pas. Pourquoi pas la Silveroi qui va avec sa Full Arts. Let's go. Energy O. Energy O. Candine. Conviction de Marion. Porygon 2. Low Class. Zébibron. Galekid. Vivaldin. Vivaldin. Cas d'oiseau. Uniforme de survie. Et on terminera sur un Neidin. Quoi qu'il arrive, très heureux de cette display, évidemment. On va vous montrer tous les hits qu'on a eus. Bon, on est parti, on va faire un tour de tous les hits que nous avons eus, évidemment. Et c'est pas tout. Si vous voulez quand même qu'on réouvre une display Reine de Glace, bah faites-le nous savoir et on le fera en vidéo YouTube pour vous. Et si vous ne voulez pas, bah on n'en fera pas. Voilà, c'est vous qui décidez. C'est parti, ma petite Sophie, dis-nous tous les hits. Silver Roi, Cavalier des Froids en V. Électeur de Galar en V. On a eu Boreas en V, Sulfura de Galar en V, Roigada de Galar VMAX, Metalos VMAX, Silveroi Cavalier d'Effroi V Full Art, et la belle et douce, la Silveroi Alternative VMAX. Magnifique, magnifique. Très content de ce display à titre personnel. En plus, on ne l'avait pas. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Il y a des petits lots à gagner. On vous fait de gros bisous. Et à la prochaine pour une vidéo ouverture. En tout cas, ça fait trop plaisir. Bye bye tout le monde. Ciao.